Alors, si je compte bien, je vois 112 cheveux par centimètre carré, je vois quelques cheveux bruns, quelques cheveux blancs. Des cheveux blancs déjà? Oui, mais c'est physiologique. Et 112 par centimètre carré, c'est ça très bien. C'est très bien. Alors, les cheveux, on a tous envie de les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Même Nicolas, là, derrière la caméra. Bah oui, des beaux cheveux ondulés. Les cheveux, ils peuvent être frisés, ils peuvent être crépus, ils peuvent être blonds, ils peuvent être raides. Bref, on a tous des cheveux différents. Ici, dans Pumps, on va vous dire comment les maintenir en bonne santé tout au long de notre vie. Installez-vous, Nour. Bonjour Bruno Bernard. Bonjour. Vous êtes un spécialiste renommé de la biologie du cheveu. Avec vous, on va comprendre ce qu'il y a dans le cheveu, comment le maintenir en pleine forme tout au long de notre vie. Alors au Moyen-Âge, on assimilait les cheveux à des végétaux. Et c'est d'ailleurs de cela, de cette histoire, que viennent les termes qu'on utilise parfois. La racine, la tige du cheveu. Et pourtant, on va voir que le cheveu n'a rien à voir avec cela. Alors les cheveux, ce sont une arme de séduction pour certains, et pour d'autres, c'est un motif de stress, voire de complexe, si on les perd. Alors, une petite question, une petite colle peut-être. Est-ce que vous savez quel est le maximum pour la taille d'une chevelure? Le record du monde? Alors, le record du monde, tel qu'on a pu le mesurer, c'est entre 4 et 5 mètres. Et vous, Nour, vous pensez quoi? Je pense que c'est pareil. Alors, il faudrait que vous me disiez si c'est une fake news ou pas. Là, on a un record du monde sur Internet. On nous dit que c'est une jeune adolescente indienne, 1m90. Bon, c'est cohérent. Mais, il y a autre chose qui apparaît sur Internet. Et ça, il faut que vous me disiez si c'est vrai. On nous dit qu'en 2013, dans le Guinness des records, la plus longue chevelure du monde, c'était 17 mètres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 17 mètres, c'est tout à fait possible, parce que ça a poussé pendant 25 ans à peu près. Mais surtout, elle a réussi à les garder intacts, parce que d'habitude, les cheveux, avec le temps, ça s'abîme. Donc, pour qu'elle ait gardé une chevelure aussi longue, ça veut dire qu'elle l'a protégée bien précautionneusement pendant 25 ans. Sinon, c'est impossible de garder aussi long. On verra comment protéger ses cheveux pendant 25 ans. On va vous expliquer le fonctionnement du cheveu, les raisons de la fragilité du cheveu, pourquoi ça chute, mais aussi pourquoi ça repousse. On va aussi vous parler des traitements et on vous dira ce qu'il faut faire pour garder des cheveux en pleine forme, parce qu'il peut aussi y avoir des maladies du cheveu. Alors Bruno Bernard, ce qui est extraordinaire avec le cheveu sa racine, c'est que c'est en lui seul un mini-organe. Alors on peut, avec un tel appareil, regarder ce qui se passe en haut, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Et à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Hein. Exactement. En fait, le cheveu, c'est la production finale, si j'ose dire, qui apparaît à la surface du cuir chevelu. Mais il est produit par un petit organe qui ressemble à un cylindre, globalement, de 4 mm de long qui plonge à l'intérieur du cuir chevelu. Et cet organe, en fait, c'est à la base de cet organe que le cheveu est produit, qui pousse comme ça, et à partir de cellules qui se multiplient à la base du follicule. Et ici, à la base du follicule, tout va être programmé. La pousse du cheveu, la couleur du cheveu, la forme du cheveu, tout va se passer à ce niveau-là. Donc si on analyse ce qui se passe là, on peut savoir comment sera son cheveu. C'est un petit peu cela. Si on arrive à le comprendre. Alors, on sait que les cheveux, ça pousse. Comment ça pousse et comment ça tombe? Alors, le cheveu, comme je l'ai dit, est produit à la base du follicule. Et cette production va pouvoir durer, selon les cheveux et selon la période de la vie, entre quelques mois et jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, le cheveu va tomber. Et au bout de 10 ans, ce qui va se passer, c'est que la machine va s'arrêter. Non seulement elle va s'arrêter, mais elle va être détruite sur les 4/5 de la longueur de ce petit tube. Il ne va plus rester qu'un petit morceau tout près de la surface du cuir chevelu. Ça, c'est un processus qui est très rapide, ça prend 3 semaines.
Et ensuite, le cheveu, le follicule, va rentrer dans une phase de repos qui peut durer jusqu'à un an. Et après cette période, chose extraordinaire, le follicule va se régénérer sur place à partir de ce qu'on appelle de cellules souches. Ce sont des cellules qui sont capables, justement, de se réactiver pour reformer l'ensemble des différents compartiments du follicule. Et ça, c'est extraordinaire. Que l'on comprenne bien, c'est pendant cette phase de repos qu'à un moment donné, ça va tomber. Exactement. Alors, ce qui veut dire, par exemple, si on prend les cheveux de Nour, qui font à peu près 40 cm, est-ce que je peux me permettre de tirer dessus, juste pour montrer la longueur? Ça veut dire que ce qu'il y a ici, ça a poussé il y a plusieurs années. Il y a à peu près 4 ans, entre 3 et 4 ans. Parce que ça pousse à quelle vitesse? 1 cm par mois. 1 cm par mois, donc 12 cm par an, ce qui veut aussi dire que pour la chevelure toute entière, ça va faire beaucoup. On va revenir dans quelques instants parce que ce chiffre est incroyable sur ce que ça représente au total. Alors, on a compris que les cheveux poussent continuellement et qu'ils passent d'un état à un autre. Et ce qui est important, c'est que chaque cheveu est autonome, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous en même temps pousser et tous en même temps tomber. C'est ce qui nous permet de ne pas tous les perdre en même temps. C'est pour ça, Nour, cette chute de cheveux, mais de quelques cheveux, qui explique, et c'est normal, qu'il reste toujours des cheveux sur la brosse quand on se les brosse. Bon, moi, je ne le fais pas, mais... Effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du corps humain, on a à peu près 5 millions de cheveux, dont 100 000 à 150 000 au niveau du cuir chevelu. Et comme l'a expliqué Bruno tout à l'heure, c'est qu'on a des cheveux en phase de croissance et des cheveux en phase de chute. Donc, à peu près, il y a certains cheveux qui poussent une moyenne de 0,33 mm par jour, soit 1 cm par mois, alors que d'autres sont en train de tomber. Donc, c'est normal d'avoir quelques cheveux au niveau de la brosse quand on se brosse les cheveux. Vous parlez donc de cheveux qui tombent tous les jours, des cheveux qui restent en place. Et regardez, on estime que 85% des cheveux sont en phase de pousse. Exactement. Et que 15% des cheveux sont en phase de chute. Ça ne veut pas dire que 15% de nos cheveux sont en train de tomber, mais ça veut dire qu'ils vont tomber progressivement. Alors on a parlé, écoutez bien ces chiffres, 1 cm par mois, on a combien de cheveux au total? Entre 100 et 150 000 cheveux sur un cuir chevelu. Donc si on fait un calcul, eh bien l'ensemble de la chevelure pousse de 15 km par an. C'est bien ça? Exactement. Et donc on dit on en perd entre 50 et 100 par jour. Bruno, on va voir maintenant de quoi est composé un cheveu. Oui. Et vous avez encore des révélations à nous faire. Oui, si je vous pose la question, de quoi est composé un cheveu? Je pense à la kératine. Bien, vous avez raison à 65%, parce qu'en fait, le cheveu est composé non seulement de kératine, c'est-à-dire une protéine fibreuse, tout en longueur, et qui est baignée dans d'autres protéines qui s'appellent les protéines associées aux kératines et qui représentent globalement 40% de la composition du cheveu. Et elles s'organisent, ces kératines et ces protéines associées aux kératines, de telle sorte qu'un cheveu va ressembler à du béton armé, où les fibres du béton armé, en fait, ce sont les kératines, et le ciment du béton armé, ce sont les caps, les protéines associées aux kératines. Et c'est cette association qui va conférer aux cheveux des propriétés mécaniques exceptionnelles en termes de résistance à la traction, en termes de résistance à la cassure, etc. Simplement par cette composition mais unique. Ce qui explique qu'on peut tirer les cheveux sans les arracher. Je ne vais pas le faire, je vous promets, mais on peut tirer parce que c'est solide. Alors non seulement ça, on peut les tirer, ils peuvent s'allonger et ensuite revenir. Comme un ressort. Comme un ressort. Combien on peut supporter de poids à un cheveu? À peu près 100 grammes. 100 grammes pour un cheveu. Et si on parle d'une chevelure entière, regardez ce qu'a fait Kapil Gheloth. Bon, alors, il s'appelle Kapil, c'est bon, le destin, on va dire, qui a fait cela. Et regardez ce record. C'est un Indien de 28 ans. Il a tiré un bus de 5 tonnes sur 120 mètres à l'aide de sa chevelure. Et cet exploit s'est déroulé dans le Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde. C'est du vrai, ça. C'est parce que l'ensemble de la chevelure était suffisamment forte pour cela. Exactement. Alors la chevelure, elle est forte, et on raconte que la chevelure donne de la force à l'humain. On raconte dans la Bible que Samson
tirait sa force d'une chevelure. Regardez ce tableau qu'il représente. Et il ne l'avait pas coupé depuis sa naissance. Et c'est quand Dalila lui a coupé sa chevelure qu'il a perdu sa force. On lui a coupé pendant son sommeil. Alors comme pour les couleurs de peau et des yeux, hein, les cheveux peuvent avoir différentes couleurs. Du blond, du brun, du roux. Qu'est-ce qui donne cette couleur? Alors, la couleur des cheveux, elle est génétiquement programmée. Et Bruno peut le confirmer, à peu près, on a 80 gènes qui sont responsables de cette couleur. Et la couleur est expliquée par cette mélanine qui est produite par les mélanocytes situés au niveau du follicule et avec leurs propriétés physiques et leur disposition au niveau du cheveu qu'on a la couleur qu'on voit, nous. Alors, la couleur que l'on voit, nous, elle est donc déterminée par du pigment. À un certain moment, ça peut être même très jeune, hein, 20 ans, 30 ans, des cheveux blancs apparaissent. On va comprendre ce qui se passe à l'intérieur du follicule. Venez avec moi, Bruno. C'est une histoire de mélanine, peut-être, qui ne va plus être fabriquée. Expliquez-nous. Exactement. En fait, à la base du follicule, vous avez ce qu'on appelle l'unité de pigmentation, c'est-à-dire une cellule spécialisée qui fabrique la mélanine et qui la transfère à la tige pilaire en croissance. Malheureusement, au cours du cycle, le follicule va être détruit. Donc l'unité de pigmentation va être détruite. Elle devrait être reconstruite à partir de cellules souches qui se trouvent ici. Donc les cellules souches, c'est des cellules... C'est des précurseurs. Précurseurs qui se remettent, se redéveloppent en mélanocytes, donc elles vont refabriquer la mélanine. Exactement. Alors pourquoi il manque la mélanine? Alors, malheureusement, les réservoirs de ces précurseurs se trouvent tout près de la surface de l'épiderme et donc est soumis en permanence à des agressions de type rayonnement ultraviolet, de type pollution. Vous pouvez imaginer... même le vieillissement interne. Pas trop. Donc fait. C'est vraiment l'environnement. C'est l'environnement. Et à un moment donné, ces mélanocytes ne peuvent plus régénérer. Parce qu'il n'y en a plus assez. Bon, bah, c'est très clair. Donc le but finalement, C'est de protéger ces mélanocytes. On va s'asseoir à nouveau. Pourquoi, Nour, ces cheveux blancs apparaissent généralement plutôt devant et pas en occipital? Pourtant, on préférerait que ça apparaisse d'abord derrière, non? Alors, on a une explication, on peut dire, parce qu'il y a plus de mélanocytes au niveau occipital qu'au niveau frontal. Donc, vu qu'on a moins de mélanocytes, donc on a moins de production de mélanocytes au niveau frontal, donc les cheveux blancs apparaissent plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Et on peut faire quelque chose contre ça, Bruno? Ah non. C'est déterminé... Là, pour le coup, c'est déterminé au cours de la formation de l'individu, au cours de ce qu'on appelle l'embryogenèse. Quand tous les tissus se différencient, c'est à ce moment-là que c'est mis en place. Et c'est déterminé que ça sera devant, puis derrière. Exactement. Alors, on a compris que si on protégeait les mélanocytes, on pourrait ne jamais avoir de cheveux blancs. Ou ralentir le blanchissement, on va dire, pour être prudent. Alors, on a une autre particularité, on a parlé de la couleur, mais aussi la diversité de formes. Les cheveux peuvent être raides, ils peuvent être très, 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 très frisés. D'ailleurs, vous avez des grades définir les cheveux frisés. Ici, là, on appelle ça crépu, mais vous appelez ça... C'est un grade 7, à peu près, parce qu'il y a 8 grades de forme du cheveu, entre le lisse et le totalement crépu. Donc, Nour, c'est du... Un ours, c'est du 2. 1-2. 1-2. 2-2. Alors, qu'est-ce qui explique donc cette forme différente? Alors, en fait, la forme du cheveu est programmée par le bulbe, par la racine. Et ce qu'on a fait dans ces expériences, c'est qu'on a pu disséquer, sortir le follicule du cuir chevelu et le mettre à cultiver dans une boîte de pétri. Et un follicule qui est supposé faire un cheveu frisé continue à faire un cheveu... Donc c'est encore une fois incroyable, c'est ici que c'est déterminé. Tout est programmé. Et à la naissance. Alors est-ce qu'on peut changer de forme? Évidemment, chez le coiffeur, on peut friser les cheveux. Bon, je ne suis pas un expert. Hein. On peut les raidir, hein. Mais est-ce qu'on peut, de manière définitive, biologiquement, les modifier? Alors, in vitro, comme je le dis, on est capable... en rajoutant certains produits, certaines molécules en l'occurrence, de faire passer un cheveu rade à cheveux frisés. Ça, c'est possible. C'est possible. Et on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a à peu près une dizaine de gènes qui contrôlent, c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Ça se trouve, il y en a beaucoup plus, qui contrôlent la forme du cheveu. Alors on va regarder parce qu'il y a des effets secondaires de médicaments qui peuvent provoquer justement des changements de la forme des cheveux.
Ici, on passe de cheveux frisés à un cheveu raide. Bon, on passe sur les médicaments utilisés. C'est des médicaments un peu complexes, antiviraux, je pense. Et très puissants. Et on peut faire également l'inverse. Passer d'un cheveu lisse à un cheveu frisé. Donc ça, ce sont des médicaments qui fonctionnent, mais est-ce qu'on peut imaginer de les utiliser quand on a envie de changer de la forme de cheveux ? Non, pas aujourd'hui. Par contre, ils nous indiquent qu'il y a certainement des pistes pour pouvoir changer biologiquement la forme des cheveux. Ceci dit, ça sera très lent, parce qu'un cheveu ne pousse qu'à 1 cm par mois. Et donc, quand vous commencerez à traiter, bah, votre cheveu il commencera tout doucement à friser. Oui, dans 10 ans, nous, vous aurez des cheveux frisés. Non, mais ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Bon, on n'utilise pas ces médicaments. Évidemment, ils ont des effets secondaires. Ils ont des indications dans des pathologies. Et c'est un effet secondaire indésirable, en théorie. Il y a autre chose qui est intéressant que vous avez montré chez le mammouth. Exact. Vous avez travaillé sur le mammouth. Oui, j'ai travaillé sur le mammouth Jarkov. C'est ce mammouth qui a été transporté par hélicoptère en Sibérie, là. Et on a eu accès à ses cheveux, à ses poils, c'est des grands poils, ça s'appelle des jarres, ces poils. Ils sont à peu près grands comme ça, et lorsqu'on les observe, on s'aperçoit que tous les 14 cm, il y a une petite bande claire, comme ça. Et lorsqu'on coupe transversalement dans les bandes claires et dans les bandes sombres, eh bien, dans les bandes claires, le poil est à une section circulaire, comme un cercle, et dans les bandes sombres, elle a une section triangulaire. Ce qui veut dire qu'au cours du temps, la forme du cheveu a changé, sûrement en fonction peut-être de l'alimentation. Moi, je pense que c'est là, exactement, c'est le régime alimentaire qui changeait. C'était l'ère glaciaire. Voilà, mais aujourd'hui, bon, sur une vie normale, je ne suis pas sûr de quelques dizaines d'années qu'on peut changer ses cheveux. Non, mais le mammouth nous envoie un message. C'est qu'on peut changer biologiquement la forme du cheveu. C'est très clair. Alors, on va revenir sur des choses très, très concrètes, sans modification de la forme du cheveu biologique. Comment on peut protéger ses cheveux? Et avant de donner des conseils, qu'est-ce qui fragilise les cheveux? Alors, quand on dit des cheveux fragilisés, c'est des cheveux qui se cassent. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette cassure des cheveux, soit des facteurs ce qu'on appelle nous exogènes, donc ce qu'on fait subir nous-mêmes à nos cheveux, comme décapage, coloration, défrisage, les brushings à répétition avec une chaleur élevée, le fait de ne pas se protéger des ultraviolets. Il y a des gens qui ont des troubles en se tirant les cheveux ou en coupant les cheveux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs endogènes, donc c'est plutôt les maladies qui expliquent la fragilité du cheveu. Alors, on va parler justement des maladies. Venez avec moi, on va regarder quelques photos parce que la dermatologie, les cheveux, bah, c'est en photo que ça s'explique. On a notamment des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'ils sont liés à des anticorps qui attaquent notre organisme. Expliquez-nous ces trois exemples. Alors là, c'est trois exemples de maladies qui sont fréquentes du cheveu. Donc en haut, on voit ce qu'on appelle la pelade qui est fréquente. Donc là, on voit un cuir chevelu qui est sain, mais pas du tout de poils. Donc c'est une maladie auto-immune. Donc le corps produit des anticorps contre le cheveu qui le fait tomber. Deuxième photo, le lupus, c'est une maladie auto-immune aussi. Donc là, on voit le cuir chevelu qui est rouge avec quelques squames. Et puis, on a une perte de cheveux. Là, elle peut être irréversible, contrairement à la pelade qui peut être réversible, soit spontanément, soit avec des traitements. Et là, c'est le lichen. Et là, le lichen. Une perte de cheveux. Une perte de cheveux aussi. C'est une maladie inflammatoire. Il y a deux types de lichen. Il y a le lichen au niveau du cuir chevelu et ce qu'on appelle le lichen, l'alopécie frontale fibrosante. C'est que là, on voit une peau qui est scléreuse avec la lisière qui recule. On ne peut pas pincer la peau. La lisière qui recule et on voit la peau qui est rouge avec quelques squames. À son émergence. Donc on peut avoir différents types de pathologies, différents types de traitements. Dans quelques instants, on parlera de la perte de cheveux avec notre invité de manière générale. Alors on peut aussi avoir des infections au niveau des cheveux. Et bon, on connaît les poux, ça touche les enfants. Surtout les enfants. Alors les poux, le jargon médical, c'est la pédiculose. Donc les poux, c'est des parasites. Comment ça se manifeste? Généralement, on se gratte au début derrière les oreilles, puis au niveau de l'occiput, ça peut s'étendre jusqu'à la nuque. Et puis quand on examine les cheveux, on voit des poux
et des lentes. Et la deuxième photo, c'est les teignes, c'est un champignon. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut être contaminé soit par un autre humain, soit par un animal type un chaton, un lapin, ou par des objets comme les piscines et les tapis. Et ça, c'est important à savoir, parce que le traitement, si c'est par exemple le chaton, il faut traiter aussi le chaton avec la personne sinon, contaminée. Sinon, on va se réinfecter. Voilà. Et puis, il y a... De manière très concrète, les pellicules. Les pellicules, comment on interprète les pellicules? Alors, il y a plusieurs sortes de pellicules. Oui, les pellicules, donc, c'est les squames. Il y a les squames sèches, comme on voit sur la photo en bas. C'est des squames fines, grisâtres. Et généralement, le cuir chevelu, il est sain. Squames, ça veut dire que c'est des morceaux qui... des squames, quoi. Voilà, c'est le renouvellement de la peau, la partie morte de la peau. Et il y a les squames grasses, qui sont jeunes, jaunâtres, grasses. Et généralement, le cuir chevelu, il est rougeâtre, il est malade. Et là, c'est généralement accompagné de pathologies. Et donc, à chaque situation, il y a un traitement adapté. On va se rasseoir, nous, on n'a pas du tout parlé de cancer, on plume souvent dans les émissions sur les organes, on parle des cancers, il n'y a pas de cancer des cheveux. Alors, cancer de la tige pilaire, le cheveu lui-même, non, parce que ça c'est une structure morte, alors que le follicule c'est une unité vivante où il y a plusieurs cellules, des kératinocytes, des mélanocytes qui peuvent donner des cancers, mais c'est rarissime. Et pourquoi pas de cancer? Il y a des cellules, ça prolifère, ça pourrait... proliférer de manière excessive et donner un cancer. C'est même encore plus paradoxal, parce que dans le corps humain, la base du follicule, la matrice, c'est l'endroit où les cellules se multiplient le plus activement. Donc on imagine même qu'elles peuvent plus rapidement que les cellules cancéreuses. Bah oui. Ben non, dans le follicule pileux, toutes les cellules s'autocontrôlent, et le résultat, c'est qu'il n'y a quasiment jamais... Donc elles s'autoprotègent. Exactement. C'est encore un petit miracle Mais de la nature. Mais on peut comprendre aussi que le fait que le follicule se régénère totalement... de façon régulière, s'il y avait des cellules qui étaient peut-être presque ou pré-cancéreuses, elles vont être éliminées au cours de la phase de dégradation. Ah oui, immédiatement. Et en fait, le follicule pileux, c'est l'organe le plus jeune du corps humain, parce qu'il se renouvelle de façon perpétuelle. Alors, on a parlé des maladies des cheveux ou du cuir chevelu. Il y a un autre sujet, les cheveux pourraient servir à soigner des maladies grâce à des cellules souche, ça c'est un avenir incroyable. Ah oui, alors là encore, c'est une propriété unique du follicule pileux, c'est un réservoir fantastique de cellules souches qui se trouve dans deux réservoirs, dans la partie supérieure et la partie inférieure du follicule, mais aussi tout le long de follicule. Et à partir de là, on peut reconstruire des muscles, on peut reconstruire des os, on peut reconstruire des neurones, on peut reconstruire des cellules Bref, sanguines. On peut reconstruire un corps entier, pas entièrement, pas entièrement. On fait aussi du pancréas, mais on ne peut pas reconstruire aujourd'hui le tube digestif, des éléments du tube digestif. En tout cas, c'est très, très prometteur. Il y a un autre rêve, c'est de régénérer le follicule pileux pour traiter les pertes de cheveux, les alopécies. Et ça répondrait vraiment au stress de beaucoup de gens. On va écouter les avancées de Louise Garza, qui est professeure de dermatologie au Johns Hopkins University School de médecine à Baltimore. Écoutez son message. Bonjour, je m'appelle Louise Garza. Je suis professeure titulaire ici à l'université Johns Hopkins à Baltimore, Maryland, aux États-Unis. Mon laboratoire étudie la régénération et récemment nous avons démontré que les bactéries habituellement présentes sur notre peau favorisent la création de nouveaux follicules. Ceci est dû en partie au fait que ces bactéries consomment de l'oxygène provoquant une réponse d'hypoxie. Cette hypoxie maintient le fonctionnement des cellules souches essentielles au renouvellement des follicules pileux. Bonne chance et félicitations pour votre travail également. Bon, ça, ce sont des travaux chez la souris. Pour l'instant, ça ne peut pas être appliqué chez l'humain pour lutter contre l'alopécie. Ça nous amène à ce qu'il peut être fait pour traiter l'alopécie. On va tout de suite en parler avec notre invité. Bonjour Philippe Assouli. Bonjour. Installez-vous, bienvenue à PUMS. Vous Merci. Êtes médecin dermatologue, vous travaillez au centre Saboureau à l'hôpital Saint-Louis. Et on va parler de la perte de cheveux, on va parler d'alopécie. Et vous avez une première révélation à nous faire. Alopécie, ça ne veut pas dire perte de cheveux. Non, c'est-à-dire qu'on peut perdre ses cheveux et ne pas avoir d'alopécie. Ou on peut avoir une alopécie sans avoir vu la perte de cheveux. L'alopécie, c'est le manque de cheveux ou le manque de poils, ça peut être... une alopécie temporaire, ça peut être une alopécie définitive, ça peut être une alopécie partielle sous forme d'une plaque, ça peut être une alopécie très diffuse. Alors on va en reparler, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette alopécie et comment on peut la soigner. Mais d'abord, il y a un autre terme,
le terme de calvitie. C'est quoi une calvitie ? Alors, calvitie, c'est un terme plutôt populaire, un peu péjoratif. C'est le fait qu'il y a eu une alopécie qui est devenue très évoluée. Et on parle de calvitie chez l'homme. Donc, c'est le fait d'être chauve, point. C'est génétique ou pas, cette calvitie ? Alors, la calvitie, pour ce qui est de l'alopécie androgénique, il y a une bonne part qui est effectivement génétique, mais beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, vous parlez de l'alopécie androgénique. On va y revenir dans quelques instants. Souvent, on parle d'alopécie suite à des agressions, suite à un traumatisme. Et inversement, l'alopécie, ça peut provoquer un traumatisme parce qu'on se sent pas bien, c'est difficile à accepter et ça nous confronte au regard des autres. Pourtant, les cheveux, ce n'est pas une nécessité en soi, c'est quelque chose de purement esthétique ou ça sert vraiment à quelque chose ? C'est-à-dire qu'avant, on était quadrupède, donc on se tenait à quatre pattes, il fallait du poil. Et puis en devenant bipède, il fallait protéger l'essentiel qui est le crâne, ce qui est en haut, et c'est là la fonction des cheveux. Alors c'est une perte de cheveux ou de poils, on a dit que ce n'est pas une maladie en soi, mais souvent c'est le signe d'une agression externe, comme je disais tout à l'heure. Enfin, l'alopécie, c'est un monde. Et dans ce monde, il y a des alopécies traumatiques. Si on tire sur les cheveux, on va avoir une zone où il y a moins de cheveux ou plus de cheveux. Si on a une maladie interne, ça peut s'exprimer sous la forme d'une alopécie. Après, on va avoir des cheveux qui vont tomber parce qu'il y a une maladie auto-immune, vous en avez parlé tout à l'heure, etc. Donc après, il y a toute une réflexion pour faire un diagnostic. Et ce n'est pas effectivement comme le gazon ou autre. C'est-à-dire que c'est un ensemble de maladies qui peuvent s'exprimer sous la forme d'une alopécie. Reste à trouver la cause et à traiter la cause lorsqu'il y a traitement. Donc les maladies, des maladies auto-immunes, on en a parlé avec Nour tout à l'heure, l'eczéma, les brûlures, certains traitements, les chimiothérapies, des problèmes de thyroïde, des carences en fer. Donc il y a beaucoup de choses à rechercher chez quelqu'un qui a une alopécie. Est-ce que le stress en lui-même peut causer une perte de cheveux ou peut causer une alopécie ? Alors, il y a stress physique et stress psychologique. Le stress psychologique, non, pas spécialement. En tout cas, il n'y a aucune étude qui montre ça. Si on est très stressé et qu'on se met à ne plus manger, on aura une chute de cheveux. Mais par carence ? Voilà, par carence. Si on est très stressé et qu'on se met à avoir une diarrhée phénoménale, on aura une chute de cheveux parce qu'il y a eu une perte d'un certain nombre de choses. Et donc, voilà. Mais un stress physique, lui, il peut déclencher une chute de cheveux. C'est-à-dire que si on a une anesthésie générale, oui, c'est un stress, on peut avoir une chute de cheveux. Si on a, à un moment donné, un régime très, très important, il y aura des carences, c'est un stress pour l'organisme aussi, il y aura une chute de cheveux. Et un infarctus, par exemple. Et un infarctus, voilà, par exemple, peut déclencher une chute de cheveux. Il y a à la fois l'infarctus, qui est un stress pour le corps important, et puis il y a le fait que, on va dire, maintenant, il faut arrêter de manger trop gras. Et donc là, tout d'un coup, on va perdre du poids. Il y aura une chute de cheveux par ce biais-là, etc. Et souvent, on va accuser le médicament qu'on a pris à tel moment et qui est responsable. C'est rarement le médicament qui est responsable. C'est plutôt le fait qu'il y a eu un changement de vie et ce stress physique qui a déclenché la chute. Vous parlez des médicaments, c'est important parce que quand on regarde la liste des effets secondaires des médicaments, c'est pratiquement toujours marqué chute de cheveux. Donc là, vous nous dites, finalement, les médicaments sont relativement peu en cause. Il y a des médicaments pour lesquels il y a un risque à tous les coups. Un médicament de chimiothérapie, ok, ça fait tomber, basta. Il va y avoir des médicaments qui peuvent éventuellement, une pilule, des traitements pour la thyroïde, des anticoagulants, parfois. Et puis il y a les médicaments pour lesquels c'est toujours marqué, peut déclencher une chute de cheveux parce que quelque part, au fin fond du bout du monde, quelqu'un a dit « j'ai perdu mes cheveux depuis » et donc le laboratoire se dédouane en marquant « chute de cheveux possible ». Mais on sait qu'il n'y a aucune correspondance entre la chute de cheveux et le médicament. Maintenant, ça fait peur. Vous avez parlé de traitement pour la thyroïde, ça j'insiste parce que beaucoup de gens ont des problèmes thyroïdiens. Le traitement que l'on prend pour l'hypothyroïdie ne donne pas de perte de cheveux. Non, c'est-à-dire que le temps d'équilibrer une thyroïde, c'est un moyen en fait de diagnostiquer un problème de thyroïde. Quand il y a une chute de cheveux chez une femme en particulier, on va tout de suite réfléchir thyroïde. Si ça dure, c'est-à-dire qu'une chute de cheveux très passagère, ça n'a pas grande importance, si je puis dire. Quand ça dure au-delà de 3 à 6 mois, on dit, tiens, quand même, il y a peut-être une cause à chercher. Et dans ce cas-là, la thyroïde fait partie des grandes causes. Mais l'hypothyroïdie, mais pas le médicament pour traiter l'hypothyroïdie. Si on donne trop de médicaments, qu'on est en hyper, on va déclencher une chute. Si on est en hypo, on va déclencher une chute. Donc le temps d'équilibrage. Quand c'est pas suffisamment, pas correctement dosé. Absolument. Voilà. Alors, si quelqu'un, avant ça se faisait pour maigrir, les gens prenaient des médicaments pour la thyroïde, se déclenchaient des hyperthyroïdies qui déclenchaient des chutes de cheveux.
D'où l'intérêt de ne pas prendre des médicaments quand on n'en a pas vraiment besoin, d'accord, si on veut garder ses cheveux. Voilà. Alors, il y a l'alopécie androgénique. Vous avez mentionné dans androgénique, il y a le mot androgène. Mm-hmm. C'est un problème hormonal, l'alopécie androgénique? Alors, pour l'homme, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs hormonaux qui sont répartis d'une certaine manière. Et donc, les récepteurs aux androgènes vont être plutôt localisés sur le sommet du crâne. Donc, dans les zones qui sont situées au niveau de la nuque ou au-dessus des oreilles, il y a assez peu de chutes de cheveux au cours de la vie. Et s'il y a, chez une femme, par exemple, un excès d'hormones masculines, on va avoir une chute de cheveux qui est localisée sur le haut du crâne, éventuellement d'autres signes d'excès d'hormones masculines, d'hyperandrogénie. Et pourquoi plus dans certaines localisations que d'autres, la perte de cheveux? Parce qu'il y a justement ces récepteurs aux androgènes spécifiques qu'on n'a pas dans certains endroits. Donc on est programmés tous de cette façon-là. Alors on perd les cheveux, on peut perdre les cheveux dans ces alopécies androgéniques et pourtant on ne perd pas ses poils. Pourquoi? Parce que là encore, les récepteurs ne sont pas les mêmes. Et donc le poil est programmé d'une certaine manière. En gros, au cours de la vie, on a toujours le même nombre de poils. Mais un duvet peut devenir un poil épais ou au contraire redevenir duvet. Si chez une femme, il y a un excès d'hormones masculines, si on lui donne une pilule mal adaptée, etc., ou s'il y a un problème au niveau des ovaires, on va avoir cet excès d'hormones masculines qui va déclencher le passage dans des zones déterminées, les zones masculines, de duvet qui vont devenir des poils. On supprime cet excès d'hormones masculines, le poil redevient duvet. Alors on va parler des traitements. Bon, on a compris qu'il y a des maladies qui peuvent entraîner des alopécies, donc on va traiter la maladie. Mais revenons peut-être à l'alopécie androgénique, où quand on a traité ce qu'on pouvait de la maladie, que la perte de cheveux était encore marquée, ou en tout cas l'alopécie était encore marquée. Là on a toute une panoplie de solutions qui sont proposées pour limiter la perte de cheveux. Et souvent, on a des promesses incroyables. Mmh. Donc là, il faut qu'on fasse, qu'on démêle le vrai du faux. Alors effectivement, depuis que le monde est monde, les gens ont cherché à traiter l'alopécie. Et il y a eu tout un tas de trucs qui ont été essayés depuis l'Égypte ancienne jusqu'à maintenant. Et c'est devenu un marché absolument colossal. Après, il y a, en science, pour le cuir chevelu, les cheveux, comme pour le reste, des études dans lesquelles on va comparer par rapport à un placebo, par rapport, etc., etc. Et donc, on arrive à finalement très peu de choses qui fonctionnent. Chez l'homme, on a deux traitements qui existent. Attendez, avant de voir ce qui existe, et je coupe, parce que la mésothérapie, la luminothérapie, les lotions, les compléments alimentaires, ça ne marche pas? Non. Non, si on a une grosse carence, parce qu'on oublie de mettre dans une perfusion tel ou tel composant, on aura une chute de cheveux, mais il y aura 1000 symptômes associés. Dans nos sociétés, il n'y a pas de carence, globalement, sauf chez des gens très alcooliques, etc. Mais on va avoir, en gros, nul besoin de rajouter telle ou telle vitamine, que ce soit par voie orale, que ce soit en injectant dans la peau ou autre, ou tel ou tel composant. Lorsqu'il y a des enfants sous-alimentés dans des pays, oui, on va avoir un blanchiment des cheveux, un affinement des cheveux et une chute de cheveux. Et là, c'est une carence. Mille choses, oui, associées. Mais là, c'est une carence. Et donc, c'est on clair. Risque plutôt l'excès avec du rajout de vitamine B12, de ceci, de cela, qui n'ont aucun intérêt, qui éventuellement peuvent être plutôt néfastes dans certains cas, que d'en tirer un bénéfice. Comme le plus souvent, une chute de cheveux, mettons, en septembre, il y a une augmentation de la chute de cheveux chez tout le monde. C'est plutôt les femmes qui vont noter ça parce qu'elles ont des cheveux plus longs. Ça dure à la louche 3 mois. Puis ça repousse. Et donc, pendant cette période, vous avez beaucoup de publicité, vous avez beaucoup de consommation de produits. Et en fait, c'est naturel, c'est normal, voilà. Et ça va repousser. Et on attend. Et dites-moi, alors, clairement, la micronutrition comme science pour traiter science. La chute... Non, justement, comme science, j'aurais dû rajouter les guillemets, mais... les micronutriments... Non, c'est-à-dire que si on garde un œil scientifique, et il faut l'avoir sur les cheveux comme sur le reste, c'est-à-dire les traiter de la même manière que toutes les maladies, ça sert, c'est pas le problème. Et les huiles essentielles? Non, avec plus le risque allergisant de certaines huiles essentielles, plus le risque de perturbateurs endocriniens de certaines huiles essentielles aussi. Les huiles essentielles sont parmi les choses qui sont en vogue. On aura à nouveau peut-être le laser, on a la luminothérapie. Il y a des vagues comme ça avec différentes choses, des modes. Il y a quand même des traitements qui marchent, le minoxidil notamment. Oui. Donc faites-nous
un point sur ce qui peut vraiment marcher, mais sur prescription médicale dans certains cas. Alors, le minoxidil, c'est en gros le seul produit réellement trichogène, qui fait pousser. On met du minoxidil sur l'avant-bras gauche, on a des poils plus épais, plus longs que sur l'avant-bras droit. On arrête ce minoxidil, ça redevient comme c'était auparavant. On le met sur le crâne, ben on aura des cheveux plutôt plus épais, plus longs. Si on a un excès de minoxidil, on aura plutôt une pilosité qui va augmenter aussi sur le visage. Chez un homme, il est content, il va avoir plus de barbe éventuellement. Chez une femme, ça peut être un peu gênant. Donc, il faut déterminer la dose qui. Ça revient en vogue sous forme de comprimé aussi de minoxidil, enfin peu importe. Ce produit, effectivement, augmente la fabrication de poils ou de cheveux. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et la finastérine ? Alors, le finastérine, lui, c'est une molécule qui s'avale et qui, chez l'homme, permet... Que chez l'homme. Oui et non. L'autorisation de mise sur le marché en France, c'est 18-41 ans les hommes. Point. On l'utilise pour les problèmes de prostate après, des doses supérieures, mais effectivement, c'est l'autre produit qui agit contre l'alopécie androgénique. C'est seulement l'alopécie androgénique. Le minoxidil, on peut l'utiliser pour d'autres trucs si on veut. Si on veut avoir un peu plus de cheveux parce que ça a été tiré, etc., et qu'il y a moins de cheveux, on peut l'utiliser aussi. Et chez la femme, on est hors autorisation de mise sur le marché. Et puis, bon, c'est plus discutable. Il faut qu'il y ait une contraception associée, il faut qu'il y ait une raison réelle. Et en pratique, il y a d'autres traitements qui beaucoup plus utiles et qui sont beaucoup plus dans les clous. Voilà. Alors, parfois, malgré ces traitements, on n'arrive pas à avoir les cheveux qu'on souhaiterait et encore une fois, on le vit mal. Il y a des possibilités, notamment les greffes. Est-ce que c'est toujours une solution ? Non, c'est-à-dire que la greffe de cheveux, c'est prendre là où il y en a et où ils sont épais et les planter là où il n'y en a pas, où ils sont devenus trop fins. C'est ses propres cheveux que l'on va chercher là où on en a et on les met là où il n'y en a plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle une auto greffe. Donc pas de risque de rejet, pas de risque d'effet secondaire majeur financier. Ah, un risque financier. Alors, on voit beaucoup de tourisme médical parce que ça coûte moins cher à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a Ça peut très bien se passer de ci, de là. Le problème, en fait, c'est l'indication. C'est-à-dire que la greffe de cheveux est devenue une espèce d'objet de consommation. Et on a l'impression que, voilà, on va aller dans tel pays, ça va être la solution miracle contre la chute de cheveux, puisqu'on va se faire greffer. Or, ça se place dans une stratégie en se disant, voilà, comment est-ce que cette personne va être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Si on prend des cheveux ici et qu'on les plante là et qu'on a un sujet jeune qui continue à avoir quelque chose qui est évolutif, on aura des espèces de poireaux plantés devant et un grand vide derrière. Et cette zone-là, évidemment, ne va pas se régénérer. Ce qui est enlevé est enlevé. Donc il faut le faire correctement. C'est une répartition de stock. Il y a des pays où on voit que c'est vraiment en vogue, en Turquie notamment. Là, la Turquie fait partie. Alors il y a la moitié des gens qui font un Paris-Istanbul qui reviennent avec un grand bandeau là parce qu'il y a eu. Voilà, c'est souvent de l'argent en espèces, avec une espèce de pack dans lequel il y a, on attire les gens, etc. Alors ça peut être des gens extrêmement compétents. Mais il ne faut pas que ce soit un commerce. Mais c'est ça voilà, le problème, c'est que c'est un commerce et que le résultat sera après. Comment vont être ces personnes qui ont arrêté tout traitement ? C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, pas la peine de mettre du minoxidil, pas la peine de faire un traitement, venez faire des greffes. Alors qu'il faut un accompagnement même après. Et puis il faut suivre, c'est-à-dire qu'il faut... La chute ne va pas s'arrêter parce qu'on a mis des greffons. Donc la chute va continuer. Donc il faut qu'il y ait un traitement qui bloque le processus. Et puis après, il y a toute la question de... voilà, les gens reviennent. S'il y a un pépin, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne vont pas retourner sur place. Et donc on décharge... Donc pourquoi on le fait ? Chez qui on le fait ? Et puis surtout avoir un suivi, parce qu'on vous l'a dit, ce n'est pas parce qu'on a fait une greffe que la chute des cheveux s'arrête. Merci beaucoup Philippe Assoli, merci de nous avoir aidé à démêler, si je puis dire, le vrai du faux au sujet de nos cheveux. Merci. On va maintenant retrouver Nour et Bruno pour quelques conseils pratiques pour garder vos cheveux en pleine forme tout au long de votre vie. Nour, je vous invite autour de cette table et on va commencer à vous donner des conseils très pratiques et en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour garder des cheveux en forme ? Alors, il faut éviter d'agresser la tige pilaire. Par exemple, les brushings répétitifs avec des chaleurs élevées, le fait d'utiliser les fers à lisser, les fers à boucler de manière rapprochée et fréquente, le fait de faire des décapages, des colorations avec des produits très agressifs sur la tige pilaire. Il y a aussi la tendance kératine. La tendance kératine. C'est bien ou pas ?
kératine, le produit en lui-même, je ne saurais pas dire, Bruno pourra expliquer mieux que moi, mais le fait d'appliquer par la suite plusieurs passages avec le fer à lisser ne peut que fragiliser la tige pilaire. Donc ça, on a compris, c'est la chaleur, hein, c'est ça ? C'est la chaleur. Mais la kératine, on a vu tout à l'heure que la kératine, ça constitue quand même une grande partie de notre cheveu, hein, 65%. Oui. On aurait tendance à se dire que si on se met de la kératine tous les jours, ça va les renforcer. D'abord, là, il faut être précis, on ne se met pas de la kératine, hein, on se met des petits morceaux de kératine, ce qui n'est pas la même chose. Et en fait, ça, c'est utile lorsque le cheveu est déjà très abîmé, lorsqu'on peut combler les trous, etc. Sinon, sur un cheveu sain, ça va faire qu'alourdir la chevelure, ça va avoir aucun effet bénéfique pour la fibre. Alors, nos cheveux, ils nous protègent en permanence des agressions extérieures, ils sont en contact avec l'environnement. En pratique, comment faire, comment les protéger pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient beaux tout au long de la vie? Quels sont les conseils simples au quotidien? Alors, c'est bien de se brosser deux fois par jour les cheveux, surtout quand ils sont longs. On améliore la circulation sanguine. Par la suite, il faut les protéger des ultraviolets, bien évidemment. Comment on se protège la peau? Il faut se protéger les cheveux avec un chapeau, idéalement. Parce que je vous coupe, parce que ça veut dire que le soleil peut les agresser, peut changer leur couleur? Peut changer leur couleur, en particulier sur les cheveux blancs. Ils peuvent jaunir sous l'effet des UV, donc il vaut mieux effectivement se protéger. Il faut les rincer après la baignade aussi? Effectivement, après la baignade, soit dans la mer, soit dans la piscine, il faut rincer le sel de la mer et le chlore de la piscine. Alors, vous avez parlé de la brosse à cheveux, donc ça a l'air d'être un outil majeur quand on a des cheveux longs. On a plusieurs brosses à cheveux. Moi, la question très concrète, pragmatique, comment choisir sa brosse à cheveux? On a plusieurs sortes, là. Est-ce qu'il y a des préférences en fonction du type de cheveux, ou est-ce qu'on fait ce qu'on dans les brosses, a envie de faire? Il y a la forme, il y a d'abord la forme, là c'est des brosses de brushing généralement, et les brosses plates c'est pour se brosser les cheveux, et par la suite il y a les picots, on a des picots en plastique, et des picots parfois en poils naturels, surtout les poils de sanglier. Et idéalement c'est d'utiliser des brosses avec des poils naturels, parce qu'il y a moins l'effet électrostatique, on a moins les petits cheveux qui partent dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il faut les mouiller tous les jours ou les laver tous les jours? Alors, les laver avec un shampoing tous les jours, c'est pas bien. Idéalement, c'est chaque 3 jours. Deux fois par semaine? Deux fois par semaine. Les mouiller tout simplement avec de l'eau, il n'y a pas de souci. On va maintenant vous donner, sous forme d'un petit question-réponse, des tips pour garder vos cheveux en forme. Et on va commencer avec la question des shampoings. On a compris qu'il valait mieux les laver au shampoing deux fois par semaine. Est-ce qu'il y a des critères pour dire qu'un shampoing va être adapté ou pas? Alors, la principale propriété du shampoing, c'est de nettoyer le cuir chevelu et la tige pilaire de tout ce qui est résidu qui se mettent sur notre cuir chevelu et sur notre tige pilaire. Par la suite, il y a plusieurs types de shampoings adaptés à chaque nature. Par exemple, ceux qui ont des cheveux gras, il y a des shampoings adaptés aux cheveux gras, des shampoings qui sont adaptés aux cheveux secs, il y a des shampoings adaptés pour les enfants, il y a des shampoings secs. Je ne m'hasarderai pas à décrire ce qu'il y a là parce qu'on a beaucoup et que je ne connais pas. Est-ce que ce qui est indiqué sur l'emballage, est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est indiqué? Moi, par exemple, ici, shampoing bleu déjaunisseur. Donc, j'ose imaginer que c'est quand les cheveux ont jauni, peut-être avec ce qu'on a dit tout à l'heure, suite à une exposition solaire. Est-ce qu'on peut faire confiance tout simplement à ce qui est marqué? Oui. Ces produits-là ont été mis au point, justement, dans le cas des cheveux jaunes, pour masquer cette couleur jaune. Ce n'est pas nécessairement pour l'empêcher, mais c'est pour la masquer. Et de ce point de vue-là, ils sont efficaces. Sinon, ils n'auraient tout simplement pas le droit de vendre les produits parce que tout est vérifié. Alors, tout est vérifié et on peut faire confiance. Ah bah. Cheveux courts, cheveux longs, même combat? Non, pas du tout. Les cheveux courts, en fait, on a besoin de traiter la surface parce qu'il n'y a que ça qui risque d'être un petit peu abîmé. Par contre, pour les cheveux longs, il y a la surface, il y a le comblement, parce qu'il y a de la perte de substance. Et dans ces cas-là, il faut des soins beaucoup plus élaborés, non seulement des shampoings, mais des masques, etc., pour pouvoir prendre en compte tous les différents types d'agressions qu'a subi le cheveu pendant... Donc, pour tous les soins, les cheveux, on fait la différence entre la
les cheveux longs et les cheveux courts. Ah bah bien sûr. Nour, les shampoings, quand on les fait, est-ce qu'il faut masser? Est-ce qu'il faut gratter? Idéalement, c'est de mettre le shampoing sur cheveux mouillés. Et on conseille toujours de diluer le shampoing avant de l'appliquer directement. Généralement, on applique sur le cuir chevelu et par la suite, la mousse, si c'est un shampoing qui mousse, il va se mettre spontanément sur la longueur. Et l'après-shampoing, est-ce que c'est obligatoire, démêlant, hydratant? C'est pas obligatoire, c'est plutôt pour les cheveux lents, pour aider à démêler les cheveux sans vraiment les arracher. Bon, donc, parce que sinon on passe sa matinée ou sa soirée dans la salle de bain, c'est un petit peu compliqué. Oui. Donc, chacun fait en fonction du temps qu'il a. Et le gel et la cire après les cheveux, ce sont des fixateurs. On se dit que ça va abîmer les cheveux, que ça peut les faire tomber, Bruno? Ah non, 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 ça ne va pas les faire tomber. Ça va les, entre guillemets, les soigner, du moins pour les cheveux longs. Mais en aucun cas, ça va altérer la surface du cuir chevelu et provoquer la chute. Hein. Et est-ce que ça les protège inversement en faisant, je ne sais pas, une épaisseur entre le cheveu et l'extérieur? Bah disons que parfois, ça protège de la pollution. Parce qu'en fait, les polluants adorent la fibre capillaire. Donc, si vous faites une sorte de gaine autour du cheveu, vous allez protéger les cheveux. Bon, donc ça n'étouffe pas les cheveux et ça pourrait peut-être même les protéger. Est-ce qu'il faut se laver les cheveux, enfin l'enlever le soir ou est-ce qu'on peut le laisser en place? Façon, on peut le laisser en place. On peut laisser en place. Est-ce que les produits que l'on met sur les cheveux peuvent être dangereux, Nour? Alors, les produits commercialisés, non, parce qu'ils sont contrôlés avant leur mise sous le marché. Mais personne n'est à l'abri d'une réaction allergique à tel ou tel produit. Par la suite, moi, ce que je déconseille, c'est les produits faits maison. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on est en train de mettre. Avec du thym, par exemple? Moi, je déconseillerais, pour être honnête, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Moi, d'un point de vue général, les produits maison, c'est très risqué. C'est très clair. C'est très risqué, entre autres pour les problèmes allergiques. On n'est absolument pas à l'abri d'une réaction. Donc, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Question suivante, l'intérêt ou les risques des attaches. Alors, on a ce type de pince pour accrocher les cheveux quand ils sont longs. Il y a évidemment les élastiques. Est-ce que ça peut abîmer les cheveux à force d'en mettre? Alors, oui et non. Déjà, je recommande plutôt d'utiliser des chouchous et des élastiques avec ressort. Ça abîme moins la tige pilaire. Et par la suite, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas avoir tout le temps la même coiffure. Il faut changer de coiffure. Il ne faut pas trop tirer sur les cheveux. Il ne faut pas trop serrer sur la chevelure. Idéalement, c'est de moduler les coiffures d'un jour à un autre. Et puis, ne pas trop... Les traumatiser avec des attaches. Voilà. Donc, on peut les attacher et de temps en temps, on les lâche. Voilà. Bruno, je n'arrête pas de vous voir fixer ces tout petits élastiques. Qu'est-ce qu'ils vous inspirent? En fait, ces petits élastiques, ils m'inquiètent. Parce qu'il y a une pratique qui consiste, souvent chez les petites filles, à faire des petites nattes très fortement serrées avec ces élastiques. Et en fait, le résultat, c'est que ça tire sur le cheveu, ça tire sur le follicule. Et si on fait ça de façon très régulière, eh bien, à terme, ça peut aboutir à quelque chose de très grave. Qu'on appelle l'alopécie de traction, c'est-à-dire que les cheveux, le cuir chevelu va devenir ce qu'on appelle fibrotique et les cheveux vont tomber et de façon définitive. Donc surtout à ne pas faire au quotidien, hein. Ça c'est non, un message important. Non, et moi je trouve que c'est très mignon, mais il ne faut pas le faire tous les jours. Occasionnellement. Voilà. Un anniversaire. Par exemple. Alors on va répondre à une autre question fréquente, les chapeaux. Alors les chapeaux... Les casquettes, là encore celui-là, il n'est pas très serré, mais on imagine qu'une casquette très serrée peut empêcher les cheveux de respirer. Je vois que Philippe Assouli est encore là. Docteur Assouli, est-ce qu'on peut créer une perte de cheveux avec ce type de couvre-chef? Non, non, non. D'abord, la respiration du cheveu, c'est un grand mythe parmi d'autres. Donc, peu importe qu'il y ait quelque chose, à la limite, il vaut mieux protéger du soleil les cheveux de manière à ce que la coloration ne bouge pas. Le seul bémol qu'on peut dire sur l'histoire frottement, parce qu'avant la réputation, c'était que les képis chez le gendarme faisaient que, bon, c'est une autre affaire. C'est sur peau d'ascendance africaine, sur cheveux crépus, et on peut avoir des fois des alopécies par friction. C'est-à-dire que le frottement peut casser les cheveux. Et donc là, il faut être très vigilant sur le type de matériau pour pas que ça frotte. C'est le seul bémol. Donc on peut continuer à mettre une casquette tous les jours? Dans la majorité voilà. Des cas. Alors, il y a une réalité, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'on perd davantage ses cheveux en automne. Est-ce qu'à cette période de l'année,
vraiment, les compléments alimentaires, c'est totalement inutile, comme on l'a mentionné, ou est-ce que vous avez un avis plus partagé, Nour? Non, faut attendre que ça passe. Hein. Ce n'est qu'une phase naturelle, physiologique, et puis il y aura la repousse naturelle des cheveux. Et pas de complément alimentaire, il n'y a pas de recommandation particulière. Bon, il y a un complément alimentaire que les dermatologues prescrivent souvent, malgré tout, je crois, la cystéine. La cystéine, c'est la seule protéine qui peut être bénéfique, un pour les cheveux et deux pour les ongles. Et dès qu'on sent ses cheveux tomber, on peut en prendre ou il y a des situations particulières? Il faut que ça soit prescrit par un médecin. Prescrit par un médecin. Il y a quand même une mode, hein, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceuses, d'influenceurs qui en font la promotion, les gummies. Ce sont ces petits bonbons, alors c'est assez joli, orange, rouge, et ça contient des vitamines, 9 vitamines. Est-ce que c'est efficace? C'est fait pour ça quand même. Alors, comme on a dit tout à l'heure, pour les compléments alimentaires, déjà c'est plus faiblement dosé que les compléments alimentaires. C'est inutile et ça peut nous exposer à des effets indésirables. Donc, je ne recommande pas du tout. Donc, c'est séduisant à regarder, mais inutile à utiliser. Au moins, c'est dit. Les compléments alimentaires, on ne vous les recommande pas pour vos cheveux en automne notamment. Vous ne savez peut-être pas que ça peut même être dangereux. La vitamine A en excès peut faire tomber les cheveux. Bruno, vous confirmez, hein? Je confirme, tout à fait, oui. Terminons avec l'alimentation. On entend parfois les vertus de la levure de bière, des huîtres. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la levure de bière est riche en vitamine B, les huîtres sont riches en zinc. On n'a pas besoin de les prendre dans des comprimés, il suffit d'avoir une alimentation équilibrée et saine, ce qui va nous rapporter les oligo-éléments et les vitamines nécessaires à notre organisme. Et même si l'alimentation n'a pas forcément de manière optimale tout ce qu'il faut, parce qu'on ne mange pas tous de manière strictement équilibrée, on n'a pas aujourd'hui en France de carence qui pourrait entraîner des problèmes de cheveux et qui justifierait de prendre des compléments alimentaires. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Nour. Je pense que vous en savez beaucoup plus, comme moi d'ailleurs, sur ce sujet des cheveux et comment les maintenir en bonne santé. Merci beaucoup Docteur Assouli, on en sait aussi beaucoup plus sur l'alopécie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler, vous avez déjà fait, mais pour vous, de vous abonner à PUMS, vous le savez, sinon je vous le rappelle, c'est le pari de vous faire vivre mieux et en bonne santé le plus longtemps possible.